Ah, j'ai du charbon. J'ai pas du charbon. Et dans la même mesure. Non, les prends pas, les charbons. Un paléosol qui contient énormément de poissons. Alors c'est un paléosol qui n'est pas du tout anthropique. Donc en fait il y a uniquement des restes de poissons. Et vraisemblablement c'est vraisemblablement le rivage du lac en fait qui a déposé en fait des petits poissons qui se sont fossilisés qui ont créé ce paléosol. Ce niveau qui en fait qui n'a pas d'intérêt en fait archéologique tout simplement, on établit un référentiel pour le coup de l'époque de la présence de poissons. Là il y a une petite vertèbre, là il y a deux vertèbres là comme ceci. Après les autres j'avoue je suis incapable de savoir ce que c'est. Ben oui, je pensais que c'était des mandibules, toi, parce que moi j'y connais rien. Toi, donc, Alors, c'est pas des mandibules, c'est des épines, des poissons qui ont des épines dorsales. D'accord. Okay. Enfin, les épines, ils ont une nageoire, et la nageoire est constituée de différentes épines, et ça, c'est la première. Et les vertèbres, elles sont trop petites, il faut regarder avec une binocle.